Et nous sommes repartis pour plus de Grounded. Donc, la dernière fois, on avait fait pas mal d'aventures, mais on n'a pas fait ce qu'on voulait. Exactement. On n'a pas fait ce qu'on voulait. Très bien. On a deux séchoirs maintenant à viande. On voulait combattre des abeilles. Au final, on a combattu tout sauf des abeilles. Donc, c'est un peu embêtant. Ah oui, les encas, ça se stack aussi. Ça, c'est bien, ça. Il va falloir que je fasse plus de coffres à un moment. On a encore 3 viandes. On n'a pas. Il nous faudrait une mandibule de fourmi rouge. Parce qu'on peut pas. Ouais, fourmi rouge. Donc la mandibule, je crois que c'est sur les soldats. Et seulement les soldats. Donc ça, c'est un peu un problème. Prendre, je sais pas si ça sert à quelque chose vraiment de faire ça. Ouais. Après, on a de la lisière végétale, pourquoi pas. Je crois que ça sert à quelque je crois que c'est pour faire des briques de champignons là, les trucs. Donc c'est pas grave, mais par contre ça va prendre de la place, que à chaque fois c'est 10. Bref. Napapapala, nickel, on est prêt. Je suis bloqué. Ok, c'est bon. On nickel, nickel. On est prêt pour partir. On a du soin. On va avoir à manger. Notre épée est encore ok. Je crois qu'il va falloir qu'on trouve donc une fourmi rouge. Il va falloir qu'on se la fasse parce que je voudrais avoir. Notre masse, parce que là on commence à être vraiment bien à la masse, donc c'est un peu embêtant. Nickel. Parfait. Je crois que les séchoirs sont pleins par contre. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va prendre ça. Tac. Ça nous en fera 3 de réserve pour la pour bah nous remettre de la vie. On a des lances, on a un peu moins d'équipement, ça va, on a ça au pire. Au final, ça sert un peu à rien de récupérer ça, mais bon, ça fait de la vie. Enfin, quoique, ouais, non, en fait, ça sert à rien de garder ça. Ça prend de la place pour rien. C'est rare. Et voilà quoi, c'est tout. Ah oui, même ça, même. Même les soins en fait, oui, j'avais pas fait attention. Tous les consommables en fait sont stack à 10. Ah, oh, qu'est-ce qu'elle fait elle? Me casse pas tout. Hein. Même les consommables, oui, tous les consommables en fait sont stackés à 10, donc ça c'est vachement bien pour nous. Allez, ça va, on y va. Let's go. Just like a fruit pounder. Alors, on avait dit fourmis. Fourmis, abeilles, si on peut. Donc on va surtout se balader et voilà. Surtout se balader et essayer de trouver une fourmi rouge. Pour bon, les fourmis rouges, on sait où elles sont hein, de toute façon, mais abeilles surtout. C'est ce que je voudrais faire dans cet épisode. Donc on va voir. On va aller vers les fourmis et puis après on va se balader pour les abeilles. Fourmis rouges, voilà, elles sont là. Très bien, ça. Là, on va prendre Fourminator. Résistance au poison, c'est pas ça. Fourminator. Ouais, on devrait être bon avec ça. Putain de merde! Tête de fourmi rouge, mandibule de fourmi rouge, ok, on est bon. Okay. Est-ce que j'ai. Tiens, attends, est-ce qu'elles m'ont tout donné pour réparer là? Oh yes, parfait. Nickel, très bien. Très très bien. Une seule, ça m'a suffi pour tout réparer. Pour réparer la masse directe. Ok, on n'a pas besoin de revenir en arrière.
Ouf, ah, on est bon, on est bon. Ah, je crois que j'aime bien ce jeu. Je kiffe ce jeu. Donc ça, on va l'enlever, on va mettre la lance. C'est parti. On va se balader un peu. Enfin, je voudrais bien. Oui, il faudrait qu'on fasse un peu l'histoire aussi. Là, on a super plus. Là, on a la montée de la haie. Je sais pas vraiment où aller. Peut-être je sais pas, vers la droite là. Genre dans cette direction. Pourquoi pas? Dans cette direction. Si on trouve des abeilles, c'est on combat, sinon on se balade. On a la balle de baseball. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu de ce côté en plus. Notre bouclier, il est bon quoi. Oui. Pas vraiment. Ça, c'est des acariens, ça. Je vois pas d'où ils attaquent. Ça fait mal hein, la mutation. La mutation anti-fourmi, hein. Ça faisait très mal. Hein. Lancier. Yes! Lancier niveau 2. Nickel, nickel. Ouais, entre lancier et fourminateur, là, ça faisait super mal, je trouve. Oh, c'est quoi ça? Gravion. Ah, mais non, mais c'est du gravion, oui. Oh, du gravion! Putain, ça tue! Oh, c'est quoi ça? Coccinelle infectée. Larve infectée. Oh la vache! Ok, on a un masque à gaz, on l'a pas sur nous. D'accord, c'est où? C'est là. Fais voir, je peux faire ça. Ok, on a une nouvelle zone avec des bestioles infectées. Quartz fragile, gravier, gravier. Quartz fragile, ça on peut le casser. Ah, j'ai aussi une mutation. Pour... Oui, non, ça on l'avait vu en vidéo, ça. Mutation comme ça. Bon, on a du gaz ici. On a un masque à gaz, donc on peut y aller et se balader, mais intéressant. Toile d'araignée là-bas. Ok. Je sais toujours. Faudrait que je regarde sur internet pour être complètement sûr. Oh, des abeilles. Comment ça fonctionne le lancier? Oh la vache, ça va exploser, je crois.
Mais bon. Dégâts. Ok, elle est morte. Du poison, c'est pour ça que j'ai voulu. Moisissure. Oh, ok, c'est comme ça qu'on récupère de la moisissure. Là. C'est quoi ça? Funaise? Ok, c'est une funaise. Ok, donc les trucs infectés sont un peu plus vénères. Hein. Putain, les dégâts. Là, il nous faudrait l'armure coccinelle. Hein. Il nous faudrait l'armure coccinelle, j'avoue. Ouais, il faudrait l'armure coccinelle. Et je voudrais bien la mettre de la parade aussi, parce que avec cette armure, c'est pas le top. C'est dangereux, hein, ce monde. On dirait qu'il y a du gaz aussi, là. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? C'est des petits bombardiers? Ou c'est des araignées? Des acariens infectés. Je crois qu'elle est vénère, la machin. Peut-être faire. Ils sont méga résistants, les machins. Okay, moisissure. Ouh, 4 du V. Ah ouais, non. Bon. D'accord, c'est là que c'est infecté. Ouais, non, mais la ladybug, là, laisse tomber, quoi. Ça va. Il est quelle heure? Il est déjà 19h, putain. Donc on a eu ça de nouveau. Très bien, très bien. On a eu la moisissure, donc on peut faire des explosifs. Intéressant, on a fait des nouvelles découvertes là en peu de temps. Intéressant. Ouais, il nous faut que je refasse le stock de soins, moi. Faut que je regarde l'état de mon équipement aussi. Donc on a un endroit qui est contaminé par du gaz, avec des choses explosives. Nous on a un masque à gaz, donc le gaz à la limite on peut...
ça, on peut le gérer. Mais après, je crois que c'est niveau de dégâts, en fait. J'ai l'impression qu'il faut quand même des bonnes armes, et je crois pas que ça soit de notre niveau encore. Donc, je vais aller autre part. Par contre, j'ai eu un truc flying, je sais pas quoi. Nickel. Parfait. Je suis content. On a eu plein de UV. Ça donne masse d'UV, les acariens contaminés, là. Vraiment content de ça. On a ça aussi à sécher. Très bien. Nickel. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'armure, elle a un peu souffert. Ah oui, on a ça à analyser. J'avais complètement zappé, du coup. On peut y aller maintenant, comme ça on voit un peu ce qu'on peut faire avec. C'est pas méga loin. Après, est-ce qu'on peut le faire maintenant, le gaz? Pff, bof. Comme j'ai dit, même si on a l'équipement pour... Genre, pour résister, parce qu'on a quand même tué une larve contaminée, des acariens et tout ça. Je pense qu'on peut résister si on prend l'armure lourde, mais c'est les armes en fait. C'est un peu limite. Je trouve. Alors, chanson infectée empaillée. Okay, ça marche. Et on peut faire des bombes. Ça veut dire aussi qu'on pourrait trouver des nouveaux endroits là. Vous savez, c'était... Il y avait un endroit bloqué. Enfin, il y avait deux endroits. On a vu deux endroits bloqués par des rochers et tout ça. On pourrait faire péter ça. Après, l'équipement de l'araignée, je valide. Hein. Il est très très bien. Il est résistant, ça va. Et puis, c'est bien pour notre... C'est bien pour notre endurance aussi. On va mettre de la lumière. Faut mettre ça là. Je vais voir si on peut mettre des champignons. Je vois pas pourquoi on pourrait pas, mais... Attends, on va prendre ça. Et les petits. La même chose. Attends, il reste encore un truc dessus. Ça, c'est con, ce système. Je sais pas, je suis pas très fan du système. C'est la même chose, apparemment. Ah ouais, ça, c'est long, par contre, sans engrais. D'accord, ok. J'ai pas vraiment fait attention. Je crois que quand on passe la nuit, c'est 10 minutes. Je vais regarder. Je crois que c'est 10 minutes. Bah, au final, en fait, c'est pas si mal hein, que les trucs se tuent, là. Comme pour la nourriture, pour moi. Ça me fait de la nourriture. Je devrais pas mettre des feuilles parce que si jamais on a autre chose à faire sécher en urgence, on va pas le faire. C'est complètement con. Mais bon, je suis pas très malin du coup. Alors.
faudrait qu'on... qu'on tue quelques vers aussi. Manuel de survie. Ah, j'avais pas vu ça aussi. J'avais pas vu qu'il nous mettait tout. Aigre, dégâts acides obtenus à partir de bonbons acidulés. Épicés, dégâts épicés obtenus à partir de bonbons très épicés. Il y a plein, il y a tout. Empalé, empalé permet de transpercer. Fermement des choses. Tailladé, explosif. Ça, c'est bien ça. Ils nous mettent tout le... J'avais pas fait attention. Parce que je... ce qu'on avait récupéré, donc c'est ça, c'est Flying V. Donc voilà, ça serait notre nouvelle HUD pendant la nuit par exemple. C'est pas mal. Après j'aime bien le nocturne pendant la nuit. Mais on peut le mettre pendant la journée, on peut le mettre en Flying V. Mystery Rider. Ouais. Non mais j'aime bien le nocturne pendant la nuit. C'est plutôt cool. Ouais. Et il y a aussi une chose que j'avais pas fait attention, c'est que la lance qu'on voudrait fabriquer, lance à dard, il y a chance de coup critique plus. Donc ouais, il nous faut vraiment ça. Il faut vraiment qu'on aille tuer des abeilles, qu'on trouve des abeilles. On va dormir et si je trouve, s'il se passe des choses intéressantes, on revient. Sinon, on part. Bah voilà, enfin, je vais me débrouiller pour trouver des choses, quoi. Des nouvelles choses à faire et tout ça. Tastes good. Nouveau jour qui nous sourit. On remet des choses à faire. On a notre nouvelle couleur de HUD. Peut-être que je mettrai d'or dans les coffres. Vu qu'on peut mettre des icônes, peut-être que ça serait plus facile. Pour savoir où et quoi. Enfin, je sais pas. Très bien, on a de la nourriture. Il faudrait quelques flèches peut-être à la limite. On va regarder si on n'a pas un peu plus de viande. Charançon qui traîne, ce serait sympa. Mais ouais, le encore une fois, abeilles. On va partir pour les abeilles, il est déjà 9h. Il faudrait peut-être partir maintenant à la limite. Ouais, on va partir maintenant et si je découvre des choses intéressantes, on combattra. Just like a fruit pounder.
J'arrive dans une zone un peu loin. On est là. Je crois pas qu'on soit déjà venu ici. C'est pas très loin de la zone de gaz en fait. C'est un peu sur le côté de la zone de gaz. Mais ouais, exploration. Pour l'instant, je croise rien de très dangereux. On va se mettre en combat. On a des acariens, bon ça c'est bien. Ah, bombardier. Mais bon. Faut faire attention aux bombardiers du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? De la peinture? C'est un pot de peinture ça. Non. Si, si, c'est un pot de peinture à l'envers, ok. Enfin, renversé. Est-ce qu'on peut rentrer dedans ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Ah, c'est quoi ça? Laser Corp. C'est une nouvelle couleur qu'on a découvert, je vois un peu. Oula! Ouais, bof. On peut mettre ça pour la nuit, à la limite, ça changera. Mais rien de très très génial. On peut aller là ou c'est juste le vide intersidéral? Non, ça a l'air d'être du vide intersidéral. Ouais. Pour le moment, pas grand chose. Je continue mon expédition. Oh, trouver un truc intéressant. C'est une loup. Elle est en train de dormir. Ok, nickel. Nickel, nickel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait un peu peur à chaque fois, hein, les loups. Ah, le hot dog. Le fameux hot dog. Donc, le hot dog, il faut la hache niveau 2. Je regarde s'il n'y a rien autour parce que... C'est quoi ce bruit? Non, c'est des vers dans le sol, ça va. Là, on a un poste de recherche. Sens de l'orientation, 1 sur 3. Ok, c'est des acariens, ça va. Ok, on est bon. Ah! Verbal transcription unit
Ah, on a célérité plus sens de l'orientation. Meilleure cartographie, chaque creux, chaque boss et chaque sentier entre les différents sites, c'est ce que tu connais, le jardin comme ta poche, comme par intuition, tu traverses la boue et les mauvaises herbes plus rapidement qu'avant. C'est bien ça. J'ai vu, il nous faut une troisième molaire pour la mutation active. Moi je veux surtout la mutation, troisième mutation active serait vraiment bien. Donc on va en profiter vu qu'on est là. Faut faire attention si la... Comment ça s'appelle? La loup, la catégorie 4 là. Elle vienne pas sur nous. Morsure fraîche de Billy Hogg. Ok. Je sais pas ce que c'est. Biscuit fourré. Non, c'est marteau. Un truc. Oh, ça c'est cool. On récupère des choses. En plus, on a un poste de recherche juste là. Donc, on peut en profiter. Que la nourriture va pourrir. Non, ça va. J'entends un peu de bruit. Je crois pas qu'il y a que les acariens en fait. Les alentours. Il faut faire attention. Niveau 8. Aucune. Ok. Non, rien du tout. C'est bien. C'est plaisir. Bon, c'est un peu triste. Alors, on fait voir ça. Billy Hogg. Il y a plein de tiges là-bas. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Épée larvaire pourrissante. Ah mais il y a des choses en fait. Genre pourrissante, ça veut dire que c'est des vieux équipements qui sont là. Je crois. C'est quoi comparé à la mienne? Est-ce qu'il y a... Une lame en décomposition trouvée plantée dans un caillou. Son odeur affreuse et sa texture visqueuse indiquent qu'elle doit être là depuis un bon moment. Putain. Accident. D'accord, donc là on a trouvé une... Comment on la répare celle-là? Épine larvaire est là. Oh, elle est vachement mieux! Parce que c'est une seule épine larvaire. Et là c'est deux, la mienne que j'ai. D'accord, donc il y a des équipements comme ça uniques en fait, qu'on peut trouver partout. Alors là on avait une épée plantée, après nous on a trouvé des jambes là, d'abeilles. Ah c'est vachement bien ce système, c'est cool. Bah, là je suis content parce que ça fait quand même beaucoup moins de... Oh merde, non, c'est où c'est qu'il y a la loup ça. Ouais. Il y en a quand même pas mal hein, des loups. Hein. Oh là-bas il y a des champignons. Champignons. Là, il y a plein de tiges. C'est intéressant. Geared up.
péter mes machins. J'entends. Voilà, là, tu vois, parfait. Ah là là, cet inventaire. Chow down. Merde, je l'ai pas pris, c'est ça? Inventaire plein. bon, j'avoue que peut-être qu'on abuse sur le coup des lances, mais oui, c'est comme ça que je combats. Hein. Donc bon, au bout d'un moment, faut choisir. Hein. Faut choisir. Après, je me dis que quand on aura des. Genre une. Les lances. En abeille, ça sera mieux. On aura plus besoin d'en avoir autant. Genre une, deux, ça suffit peut-être. Soif. Tiens, il y a aussi un hot dog là. Il y a encore un autre hot dog ici. Très bien. C'était quoi le hot dog? C'est le marteau? Non, la hache. Putain, c'est quoi ce truc? C'est à moi! Touche pas! Même la viande pourrie, j'en ai besoin. Sûrement. Bon, bah, je crois que on a fait notre petite aventure là. 16h, c'est tranquille. On a fait notre petite aventure, ça s'est plus ou moins bien passé. On n'a pas eu trop de nouveautés. Ah par contre on a 2000 de maintenant de science. Peut-être qu'on peut débloquer quelque chose. J'aurais dû en profiter quand on était au poste de recherche, voir si on peut pas acheter quelque chose. Je suis content, ça avance bien. Encore une fois, on sort jamais pour rien, c'est ça qui est bien. On a toujours des choses à faire. Donc maintenant, on va virer notre ancienne, notre première épée là qu'on avait fait, et on va utiliser celle-là qui est nouvelle du coup. Donc, ouais, parce que sinon après les stats c'est pareil, hein. Les stats c'est exactement les mêmes, mais pour la réparer c'est plus simple. Voilà. Sinon on est d'accord que c'est là, ça a la même gueule. Hein. Ouais, ça a la même gueule. Ah tiens, il faut l'analyser. Ah oui, 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 il faut l'analyser. Peut-être le manche est différent, je sais pas. Peut-être le manche est différent, je sais pas. Mais c'est sympa d'avoir de l'équipement comme ça spécial. Parce qu'à la limite, il y a le côté farm du jeu où bah, vous récupérez des choses parce que vous farmez et tout ça, ce qui est logique. Hein. Si vous passez du temps à faire quelque chose, vous devriez être récompensé. Mais après, il y a aussi le côté exploration en fait qui est récompensé. Parce que là, par exemple, nous on avait un peu plus ou moins farmé quoi pour pouvoir faire l'épée.
Mais là, si on explore, on peut récupérer des bonnes épées, quoi. Enfin, du bon matériel. Y a rien... Ah si, si, y a économie de bandage, gourde améliorée. Qu'est-ce qu'on peut faire que... Fondation. Il nous faudrait 500 de plus pour voir des trucs intéressants. Fortification. Fortification, certes. Pardon, ça a l'air pas mal. Détecteur de ressources, collecteur de panneaux. Ouais, les bandages, c'est pas mal, mais bon, on a tellement de trucs, ça sert pas à grand chose. Moi, je dirais les fondations robustes ou enfin, gravillon, là. Chemin, parce qu'en plus on aurait le chemin de gravillon et tout ça, donc ça permettrait de faire un chemin, et je crois que ça empêcherait les choses de repousser aussi, ça c'est pas mal. Là on a des quoi? Des grosses portes en corde et en tige, ça c'est intéressant ça aussi. Demi-mur de tige, plancher de tige triangulaire. Ah, on aurait du plancher en tige, ça j'ai pas ça. Pilier en argile, pilier en tige. On va attendre. On va attendre. Et ça m'intéresse les fondations. Toujours pas d'abeilles. Mais on a eu autre chose, donc ça va, c'est bien. C'était quoi? Il y avait une araignée qui tombait là de ça à chaque fois. On va rentrer. Je vais aller récupérer de la sève, parce que ça fait un petit moment et on n'arrêtait pas d'en utiliser. Je vais récupérer la sève, je vais passer la nuit et on repart en aventure, encore une fois. Ok, donc on vient de se lever. Ah, j'ai fait un repas. On vient de se lever. La Miricorée, on va faire ça. On va se balader. Je commence à avoir les coffres complètement pleins tous. Donc ça c'est un peu emmerdant. Donc je vais devoir en faire d'autres et peut-être faire un peu le tri. Mais ça sera pour entre les épisodes. Donc on verra ça. On verra ça. Donc on va repartir. Donc, abeilles ou alors plus découverte. Alors j'ai vu que les abeilles en fait pouvaient venir là. Vers ici, parce qu'elles prennent le pollen et tout ça. Donc peut-être qu'on peut en avoir de pas très loin en fait. Ouais. On peut peut-être se débrouiller pour en attaquer une de pas loin. Mais je crois qu'il est encore un peu tôt. Ouais, il est à peine 6 h du mat. Il est encore un peu tôt, donc elles vont prendre un peu de temps pour venir. Après, on peut toujours partir à l'aventure. Donc là, on a une puce, super puce électronique. Là, on a la montée de la haie. Nous, c'était quoi notre quête? Punaise d'eau, on n'en a toujours pas vu. Placer un point de repère en plaçant une branche de chêne abattue, je sais pas où il est allé. Placer un point de repère en plaçant suivant. Marécage du crapaud. Après, les milk molars, consulter le terminal, c'est le milk molar. Consulter le terminal AS. Mais on l'a fait ça. En cours 1. Ouais, enfin oui. Trouver le labo de la haie. Et récupérer la super puce. Le labo de la haie, j'imagine que du coup, c'est là. Le labo de la haie. C'est ici la haie. Là, on sait qu'il y a une super puce, mais c'est. Ah, quoique, c'est peut-être ça. Genre ça, comme ça. Je sais pas. On peut peut-être y aller. Je sais pas. Bah, on peut. On peut aller en direction de ça et voir comment ça se passe. Point de vue inventaire, on est bon. Je sais pas si on devrait manger les repas comme ça, en fait, ou plutôt attendre. Je sais pas. Par contre, je vais juste me changer ça, parce que célérité, si on met les chaussures, c'est pas vraiment intéressant. Donc, lance et vie.
va sûrement encore avoir des larves. On va tracer. Des larves. Là, je crois que le labo ou je sais pas quoi, il doit être en dessous en fait. Ah, maintenant, on les tue en deux coups hein, avec l'augmentation lancière. Enfin, ça dépend en fait où on tape, je crois. Je crois que ça dépend tout simplement de mon top. Ouais, faut que je regarde exactement ce que ça fait le lancier. Alors là, on avait les punaises. Avec le labo de recherche. Donc nous, on veut aller... Ouais, vers là-bas. Normalement, il n'y a pas grand-chose qui nous rattrape avec ça. Même, je crois, la loup peut ne pas nous rattraper. Avec ces chaussures-là. Donc, en théorie, si jamais on se fait aggro et d'un truc qui est dangereux, on peut courir. Tout simplement, on peut courir. C'est juste que j'avoue que le côté... Même c'est les punaises qui font le bruit là plutôt. J'avoue que le côté hitbox des fois est un peu abusé, genre ça te tape alors que t'es quand même vachement loin. Oh la vache, il y en a plein. Nice and safe. Ouais, 3 lancers de lance, c'est bon. Ok, nickel. Ça, on peut les combattre, donc on le fait. Ok, je pense qu'on peut... Ouais, ça là, ils ont l'air de dormir. On peut sûrement repasser en... En équipement léger, en course, je dirais. J'ai l'impression d'être dans un jeu d'infiltration quand je fais ça. Ça m'embête, hein, moi, de changer d'équipement et tout ça. C'est pareil, hein, mais bon. C'est quand même vachement efficace et ça change la vie, hein, de courir vite. Hein. C'est, je veux pas dire. Hein. Ça change littéralement la vie. Hein. Ok, on a un mur avec des araignées. Ouais, donc ça c'est un mur et je pense qu'il faut passer sous la... Sous les feuillages là-bas. J'ai regardé pour réparer les casques des araignées et tout ça, enfin l'équipement araignée. C'est du cuir de baie avec des morceaux d'araignée donc. Donc ça va, c'est pas trop emmerdant. Ah ici c'est des moustiques. Enfin on peut les combattre, c'est pas le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Gonna have a look around. Te voir.
plume de corbeau, c'est quoi? C'est la hache. Ah ah! On va trouver quelque chose. Verrouillé. Merde! Ah putain, c'est verrouillé. Fait chier. Donc il faut le labo de la haie, j'imagine, pour déverrouiller. Les moustiques, ils sont assez hauts. Ils devraient pas nous faire chier. Ok, très bien. Bon, bah on y va, hein. C'est quoi ça là-bas? Un truc intéressant. Que je peux monter ou pas? Yes. Ok, on est peut-être pas vraiment au meilleur endroit par contre. Mais peut-être pas au meilleur endroit. Après, on peut les combattre. Oh, plus encore. Ça, c'est bien. C'est rare surtout. Ah, on va pouvoir faire l'arbalète, je pense. Pouvoir faire l'arbalète. Bon, je crois qu'on va continuer à monter, à grimper. Hein. Je crois qu'il y a que ça à faire. Après, les araignées, si on se fait aggro, on peut les combattre et on peut les tuer. Donc, ça devrait aller. Attendez, je me prépare mentalement. Ouais, on devrait être bon pour combattre des araignées. De toute façon, on les prend avec la grosse masse. On a la vie et j'ai le lancier. On peut prendre barbare peut-être à la place. Peut-être barbare. Parce que le problème, encore une fois, c'est que la lance, c'est que du niveau 1. Et c'est vraiment la lance de base, bof, bof, quoi. Ça, elle fait très mal, hein. Mais bon. Sûrement mieux. Il y a mieux, mais voilà, quoi. Pour faire augmenter les dégâts de... en barbare. C'est bête qu'on puisse pas changer les mutations plus rapidement. Genre pendant un combat et tout. Enfin, c'est un peu compliqué pendant un combat, quoi. Bon, là, faut faire gaffe qu'il y avait des araignées. C'était des catégories 2. Bon, ça va, c'est pas trop grave. Mais... Ouais. Ah non, catégorie 1. Tombe pas. It's a little baby spider. Kinda cute. In a creepy sort of way. Yeah! Scary baby! Mais bon. Je sais pas si barbare ça s'est déclenché, j'ai pas l'impression. À la limite, on devrait peut-être mettre la lance. Barbare, en fait, ça se déclenche quand on tape, hein, des fois. C'est rare.
Let's see what's around here. Oh. Attends, là ça va là-bas. Ah, on peut aller là peut-être. Par contre, il y a du, il y a de la toile quoi. On peut s'accrocher à ça ou pas? Comment on fait? S'accrocher. Little spiders give me the creeps. Je suis assez d'accord. Ouh, 500, parfait. Dis-moi que c'est ouvert. Yes, c'est vert. Ok. C'est quoi ça? Oh! Ah, ils sont petits. Ah, okay. Oh, c'est de la science brute directement, d'accord. Alors, on va manger ça. Transcription unit 87.10.25. Order number 73. I find it a wonder that the Burgle Mark IVs never caught on. I believe them to be far superior to the Mark IIIs. Those never lived up to my expectations. How's that? They can only calculate post-cooking burger weights to the nearest tenth of a pound. And they only had enough memory for one seasoning module, salt or pepper. All solved with you, Mark IVs, not to mention your most excellent moustaches. Thank you! I will never forget this moment! Science! On a trouvé des choses. Des dossiers encore à lire. Ouh, c'est quoi ça? Mais c'est super en fait. Je peux pas dire, mais enfin, il y a plein de trucs à découvrir et tout. J'ai même pas fini le premier, j'ai envie déjà d'avoir un deuxième jeu. Quoi. Ok, on a découvert ça. Par contre, je suis très lent. Use survey stations to scan for analyzed materials. Visit additional stations to expand the survey network. Scanner d'arpenteur opérationnel. Reboot. Ok. Faut qu'on répare notre casque. Il y a le corbeau là-bas. Having a little peek. Il y a une sorte de château de, je sais pas, de sable, j'en sais rien. Genre on dirait une... Là-bas, là, on dirait... Ouais, genre un endroit où il y a plein de sable, vous savez, pour les enfants. Ah bah oui, dans un jardin, oui, c'est possible que ce soit ça, en fait. Ok, on est bon. Donc on a réactivé un détecteur. Hein. Je sais pas trop à quoi ça sert. La science là-haut. Ça va, on consomme pas des masses de d'endurance en fait, donc on peut y aller. Ça c'est quoi ça?
ça m'intéresse par contre. On va essayer de pas tomber. Parce qu'on sait ce qu'il y a en bas. Jus d'insectes. Super. For so long, I have felt taunted by the spiders of the yard. Climbing, crawling, skittering with the greatest of ease. Oh, and how they delight in violating my workspace. I can't take a single step without getting stuck in their confounded webbing. I'm wasting daylight, running, climbing, surviving, traversing this broken lab. The entire yard, for that matter, has become untenable. But perhaps my spider friends hold the key to my problems. Quoi? La station d'araignée. Alors le problème c'est qu'on avait une grosse... On avait une loup en fait qui venait protéger les œufs. Donc je... Qu'est-ce qui va se passer si j'attaque ça? Par contre, je voudrais bien monter pour aller récupérer la science brute. Par où on passe? Il est quelle heure? 15h20, il va falloir qu'on rentre aussi. Par là. Voilà, sur ça. Il y a un truc sur... Non, je pense pas. C'est bien là, on progresse là, c'est cool. Progresse niveau histoire et tout ça. Pas mal. Encore un 500, on doit être à 3000. On doit être à 3000. Alors on a plus à boire aussi. Ouais, on peut pas rester très longtemps. Que, j'avoue que quand on fait de l'exploration, c'est dangereux. Maintenant, on comprend pourquoi il faut beaucoup de dos et tout ça. Mais ouais, on va partir. Je serais tenté pour explorer un peu plus, mais... Voilà quoi. On peut peut-être aller là-bas. Gonna have a look around. En fait, je veux pas tomber. Je veux pas tomber directement en bas. Ça va m'arriver, hein. Je suis sûr que ça va m'arriver. Et je voudrais bien casser les œufs de trucs là. On peut pas le faire à l'envers, si. Non, on peut pas. Donc on est bloqué. Bon, merde, faut se décider. allez. Ok, on est bon. Ah, il nous en faut un autre parce qu'il est bientôt abîmé. Il est bientôt détruit. Oh, abeille. Ouais, là, abeille, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y en a qui viennent bouffer les fruits.
Moi, ça c'est bon ça. Attends, il est 17h, ça va, on a encore le temps. Donc c'est ce qu'on va faire, on va venir ici le lendemain. Parce que de toute façon il me faut des baies, parce qu'on en a plus. Il me faut du cuir. Il y a quand même beaucoup d'équipements qui utilisent du cuir. Donc on va revenir ici, récupérer des baies. Et faire des abeilles aussi. Et peut-être explorer un peu plus loin aussi. Ça n'est pas allé trop loin. Juste récupérer un peu d'argile sur le chemin. Et puis on est bon. Ah, je suis content. Hein. Ah oui, il faut qu'on regarde ce que ça a activé là. Faut qu'on aille à un poste de recherche aussi. Après, j'allais dire quand même, c'est mieux l'armure lourde. Hein, pour combattre. J'avoue qu'on prend moins de dégâts et tout ça, et puis on a un régène de temps en temps qu'on bloque et tout. Mais niveau endurance, on est quand même mieux avec ça. Donc bon. Pour l'exploration, j'avoue que c'est mieux. Content. Je suis très content. Et elle est très résistante. On a des trucs à jeter ou à manger. On peut jeter une lance. Attends, ça. Détruire. Hein. Je devrais pas jeter les choses, je devrais les détruire. Enfin, quand c'est des lances et tout, on peut les jeter parce que du coup, si on repasse par là, on les récupère. Mais si c'est des tiges, des trucs comme ça qu'on n'en a pas besoin, on les détruit. Parfait, poste ici. Ça va, il n'y a pas de son loin. Alors, on peut voir ce que c'est ça. Oh, t'es sérieux? Oh, ça tue? Ah, c'est par rapport à tous les postes de recherche qu'on a trouvé en fait. Ça tue. Vraiment bien, vraiment bien. Ah oui, aussi pour les œufs là. Fais du bruit, coccinelle. Merde. Fais ton cri, là, comme d'habitude. Là. Miu, miu. Putain. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, maintenant. On a... Je vais y arriver. Très bien. On a... de la pourriture là pour je sais plus c'était quoi, enfin bref, on a récupéré ça, maintenant on peut faire des bombes, donc ça c'est très très bon, ça c'est très très bien. Donc là on pourrait aller aux fourmis et récupérer des œufs, on pourrait faire une petite infiltration fourmi, ça aussi maintenant ça devient intéressant. Parce que j'ai pensé à ça aussi. Voilà, parfait. À chaque fois qu'il y a ça, en fait, on devrait faire des bases. Honnêtement. Parce que c'est vachement bien d'avoir ça en réserve. Je trouve. Parfait. Alors, le B. Hop. Alors, l'équipement.
On peut faire une arbalète. Je dirais pas non. Ça tire des flèches ou ça tire des carreaux? Parce que là, c'est flèche à plume. Superbe flèche fabriquée à partir de fragments de choix d'une plume de corbeau et de fil de corde de saut. Putain, ça c'est super cher en fait à faire. Flèche à la menthe. Flèche. Peut-être que ça tire des flèches normales en fait. Ouais, je crois que je vais la faire la. L'arbalète. Je crois que je vais la faire. Après, il y a ça qu'on pourrait faire. Il faudrait combattre une loup encore. Ça fait un peu chier. Mais cet arc est vraiment pas mal. Hein. Les dégâts sont vraiment, vraiment bien. C'est le double. Hein. C'est quasiment le double. Donc ça me ferait plaisir de l'avoir. On va tester l'arbalète. Très bien. C'est ça, voilà. La moisissure. On a la moisissure. Et il nous faut des œufs. Bon, il faudrait plus de moisissures. Donc, il faudrait aller combattre des trucs infectés. Ah, on peut peut-être se balader avec le masque à gaz. Oh, il y a tellement de trucs à faire. On a la zone de gaz à faire. La zone de gaz. On a les baies, l'équipement, les lances. On a plein de trucs à faire. Alors, on fait voir l'arbalète. Yes, elle tire des carreaux, des flèches en fait. Elle tire des flèches en fait. Est-ce qu'on peut maintenir le tir? Non, ça tire direct. Bah, c'est pas mal. Et pour réparer, c'est quoi? Merde. Oh, corde de soie. Putain, ça tue. C'est pas trop difficile, en fait. Ça fait de l'étourdissement aussi, hein. Ça tue. Bah, je pense que... Même si c'est plus lent, je crois que niveau dégâts, en fait, c'est quoi? C'est plus du double, en gros. C'est plus du double, donc ça vaut largement le coup. Donc, ouais. Go, arbalète. Go arbalète. Donc ça, on range. L'arc, on en a plus besoin. Ouais, le masque à gaz, ouais, ça peut être intéressant. On va poser tout ce qu'on a. Ça, là. Nickel. J'avais peur que ça soit des carreaux. Parce que bon, vous savez que c'est pas des flèches, normalement, que ça tire, hein, les arbalètes. Mais là, en fait, c'est pas des vraies flèches, en fait, ce qu'on fait. Donc ça marche. C'est des projectiles, quoi. Donc ça marche... Il devrait même pas s'appeler flèche en fait. Mais c'est cool, du coup ça fonctionne avec l'arbalète. Très content, très très heureux. On a. Ah oui, on a ça à poser. Donc ça c'est un éclat de marbre fragile. On en a pas ça des éclats de marbre. C'était quelle pierre qu'on avait récupérée? Oui, oui, non, si c'est la même chose. Ok, ça. Aïe aïe aïe, il y a trop de choses à faire dans le jeu. C'est trop bien. Alors ça, voilà, nickel. Je vais voir si les champignons sont prêts. Encore 40 secondes, ça va, c'est cool. Faudra mettre de l'engrais pour les champignons. Alors, je voudrais réparer mes armures. Maintenant. Je pense qu'on peut... C'est pas très compliqué de réparer nos armures. Donc on a ça. Ouais, c'est un cuir et un morceau d'araignée à chaque fois, ça va. Ça, ça peut encore tenir. Ça, par contre, ça a pris cher aussi. Ça, ça peut tenir encore. Ça, je voudrais bien le réparer aussi. Allez, on va le réparer. Avant que ça casse, on le répare avant que ça casse, parce que sinon, ça va être la merde. On a des lances. 4 lances, il nous faut du soin, ça on va réparer aussi, quoique non c'est chiant, c'est des trucs rares donc non on va pas le réparer, l'argile faut qu'on la pose, bon moi je vous dis, putain j'ai même pas posé mon ancienne épée, moi je vous dis à tout de suite, on va dormir.
Je vais me... On va dormir. Et on va repartir donc pour récupérer du cuir, du... enfin des baies, et peut-être combattre pour de vrai cette fois une abeille. On va voir. Ok, on s'est levé, on est prêt pour l'aventure. On est prêt pour l'aventure, on va boire un coup de jus. On pourrait même peut-être faire deux gourdes. On fera peut-être une gourde supplémentaire à un moment. Parce que pour le moment, j'ai pas envie de prendre genre les augmentations de gourdes. Parce que c'est pas trop grave. Niveau boisson, on se débrouille très bien. Hein, c'est pas très très grave. Faut faire gaffe aux larves. Parce qu'il est encore tôt. 8h. Évidemment. Ah, j'ai pas envie de me les faire les larves. Bon, on va juste les zapper. C'est pas grave. De toute façon, on a assez d'endurance, on peut courir normalement. Bombardier. Tu peux pas m'aider la coccinelle. Oh le bon qu'il fait quoi. Ok, c'est que des acariens. J'ai fait un repas et j'ai aussi donc du jus qui va augmenter notre vie maximum. Oh merde, je me disais aussi pourquoi la musique elle est comme ça. C'est pas les mêmes musiques si vous avez remarqué. Mais c'est pourquoi la musique elle a l'air de faire comme si on avait un gros truc à nos trousses. Il y a les vers aussi qu'il faudrait commencer à. Enfin recommencer à tuer. Mais ça on le fera à la maison, ça, c'est pas grave. Ouais, très bien. Allez, on passe. Ah, le duvet, c'est toujours utile. Tastes good. On peut passer... On peut passer comme ça. Il y a des puces d'eau, là, mais c'est pas très, très dangereux. Ça. Nickel. Rache. C'est quoi, ça? Ah, c'est les... Je me disais, je connais cette musique. C'est Battletoad, le jeu. Ah, oh, c'est là. Ok. Feuilles de trèfle, branchettes et fibres. Feuilles de trèfle, branchettes. Je crois que c'est bon. Ça tue, c'est là du coup. Marécage crapaud. D'accord, par contre faut que je mange ça. Okay. Hop là. Pas mal, pas mal. Je comprends maintenant pourquoi ils disent ça. Sympa, très très sympa. Y a rien d'autre. Bon, c'est cool, on a fait une quête. Là, c'était la canette. Ah, il nous faudrait... Oui, les pétales. Là. Let's see what's around here.
Par contre, cet étang-là, il est safe ou pas? Oui, on y était allé. Oui, tout va bien. Ah, par contre, le moustique va nous faire chier. On va l'esquiver. J'ai pas envie de le combattre parce que sinon, il va nous abîmer tout notre équipement et tout ça. Il tape tellement fort. Enfin, tellement vite, ce con. Ok. C'est encore de sortie. Nice and safe. Faire attention. Un truc, on a vie. Vie et lance. Je sais pas ce qui est le mieux en fait. Genre parade. Parade lance ou vie et lance. Je sais pas. Allez, on va faire tomber des trucs. Ok, je vais mettre hache. On aurait pu prendre la hache niveau 1, mais c'est pas très grave. Comme j'ai dit, maintenant ces trucs-là, on peut les. Les réparer facilement. Je suis content de l'arbalète, hein, honnêtement. Putain. Ça fait des bons dégâts, hein, ça. Un peu abusé, ce truc. Bah, tant mieux, hein, tant mieux. Enfin, vu la vitesse, de toute façon, il fallait bien que ça fasse quelque chose en prime. Hein. D'abeilles pour le moment. Je me demande si on peut jouer complètement ranged. Ah, la pomme elle est revenue. Genre complètement à distance comme ça. Je pense. Oh la vache. Ah, honnêtement, on peut. Mais faut juste pas se prendre de baffe quoi. Mais honnêtement, on pourrait s'équiper en. S'équiper avec l'équipement de tir. Vous savez, bah, le truc de l'abeille. Ah oui, non, mais ça c'est l'arc. Pour l'abeille. C'est l'arc. Et je crois que le casque aussi. Enfin, le genre le chapeau là, sympa avec la plume. Je crois que c'est aussi arc, dynamitation critique arc. Et peut-être que ça s'affiche pas, il y a genre arc arbalète, hein, j'en sais rien. Mais ouais, non, si on met ça, c'est étourdissement à l'arc. Donc c'est pas vraiment l'équipement qu'on veut. C'est pas grave. Mais on peut. Il y a encore des baies de ce côté-là. Putain, bizarrement, il n'y a pas d'abeilles cette fois. Je crois que la première fois qu'on était venu, il y avait aussi une abeille. Ah merde, je suis déjà plein. Ça, détruire. Détruire. Détruire la pile. Là, on a ça, tiens, des fragmentations. Je me demande si ça va plus loin. Aussi. Parce que peut-être que ça va plus loin, ça a plus de force en théorie. Non, t'es sérieux? Saloperie. Il
nickel. On a la mutation aussi pour couper les choses plus vite à la hache. Je pense pas que ça soit très utile pour nous pour le moment. Parce que si on tombe nez à nez sur un truc, déjà qu'il faut que je change d'armure. Quoique non. Ah non, j'ai mon armure. Mais bon, aller dans les mutations et tout, c'est relou. Même eux, on peut les faire à distance, je pense, avec l'arbalète. Faut juste bouger énormément, par contre. Hein, parce que si on se fait prendre... Si on se fait tirer dessus, c'est la merde. J'entends les acariens. Non, on n'a pas d'abeilles pour le moment. C'est bête. On pourrait aller se faire quelques araignées. Ah oui, merde, faut faire gaffe aux moustiques ici. Pourquoi il y a un moustique juste ici, quoi? C'est trop bizarre. Damn, give me a plate of this. Vas-y, ramène-toi. Il y a plein de fleurs, normalement les abeilles aiment, mais là... veulent pas venir, quoi. 14h, normalement, il fait bien chaud, là, non? Les abeilles, elles sortent. C'est rien. Comment on dit? Cultivateur là. Je fais pas de truc d'abeille cultivateur. Putain, j'ai oublié le mot, comment ça s'appelait quoi. La profession. Ah putain, j'aime pas quand ça m'arrive ça. L'abiculteur. Quoi? Ah. Alors arrêtez de passer à travers les murs et tout ça, hein. Non, non, non. Ça c'est relou. À travers les pierres. Faire des bombardiers, ça, c'est bien, mais c'est pas vraiment utile. Ah, ça m'emmerde. Non, super. Ah. Trente, c'est pas mal. Bon, on n'est pas venu pour rien au moins. On n'est certainement pas venu pour rien. Du coup, c'était pas le bon repère de branche abattue, le terminal. C'était pas la bonne quête. Genre le labo qu'on a trouvé, c'était pas le bon. Le labo de la haie, c'est pas ça. La plus très peu de souvenirs. Elle se sera située dans le laboratoire perché dans les hauteurs de la haie. C'est un bon endroit pour commencer les recherches. Je peux également mettre à jour ta carte. Tu devrais pouvoir repérer grâce aux nouvelles données. Te permet de retrouver les super puces sans te perdre.
Donc, ouais, non, c'est là. Hein. C'est là. Par contre, la porte était fermée. Qu'est-ce qu'il est? 15h, on peut peut-être y aller. La porte était fermée, mais... Je sais pas. C'est dans les hauteurs, du coup, je dirais. On va regarder pour les autres quêtes, là. Okay, nickel. 3500. Donc, on avait dit fortification ou alors les fondations. Je crois qu'on compte fondations. Ouais, tuer 10 fourmis rouges. Ouvrière, ça va. Je dis pas non pour me balader un peu. C'est nickel. Là, ça c'est le laboratoire où on était. Faut faire gaffe que si on tombe, on a un truc qui est un peu abîmé, quoi. Putain, ça aussi, c'est un peu con ce que je fais, en fait. Là, en fait, c'est pas sécurisé du tout, quoi. On va vraiment attendre le dernier moment pour déployer notre parachute. Hein. C'est un peu débile, là, ce que je suis en train de faire. Là, j'avoue que... Pas très malin, moi. Pas très malin. Faut aller là-bas, là. Il y a des œufs partout. Après, bon, il y a des petites qui vont sortir, genre 2 ou 3. Ça devrait aller, hein, si c'est que ça. Oh. Dis-moi qu'elle est bonne. Non, elle est détruite. Alors, c'était là. Oh, je sais pas où on va. C'est de pire en pire, quoi. That's a new Flingman Quasar X! Bet I could spin that sucker all the way to Miss Marlowe's yard. Tu vas là? Putain, je peux pas prendre. Attends, j'ai une idée. Ciao, Dan. Tu agaces. Oh mon Dieu. Je les agace apparemment. Ouais, mais c'est pas ma faute. Attends, nous on vient d'où? On vient de là. Il faut aller là.
On agace. Il avait écrit on agace les ornis machin là. Donc ça veut dire qu'on va se faire attaquer pendant la nuit. Oh là là, ça va être une catastrophe. Oh, t'es sérieux? Insisted I take a break from my work for a family day. I'll admit the argument that preceded my reluctant agreement was one for the ages. She just doesn't understand how important the work is. But in the end, all was not lost. As fate would have it, our little trip to Stormin' Beach's Wave Park has given me fresh inspiration. A particular attraction sported a zip line over an undulating pool filled with sun-baked tubers. Basking in the light of the cruel sun that baked them like red, red raisins. But I digress. It was the zip line that captured my imagination. Such an elegant solution to my problems in the hedge. When we got home, it was straight back to work. After another argument, of course. Aïe, 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 aïe. Having a little peep. Abeille. Je vois que dalle. En eau, on a quoi? On a notre gourde qui est pleine. Pour le moment. Je vois pas grand chose. Wesh. Ok, je pense qu'on est bien là. J'ai vu qu'on avait des trucs en bas, des bases et tout ça. Ouf! On est tombé sur le labo. Là, j'espère qu'on va pouvoir tenir parce que pas énormément de choses. Système de piratage de porte. Okay. Early test runs on the zipline system have produced mixed results. Prices on steel cable are ridiculous, so I've been forced to proceed with my original idea, spider thread. I'm using web samples from my unwanted guests, with a few clever alterations, of course. Things were going well until Sarah threw yet another toy into the hedge. I swear that the lost city of Atlantis might be found beneath the roots of this blasted bush. I told them both, no baseballs, no flingman discs, no more throwing. I'll need to find a way to strengthen the zip lines, and I've forbidden the children from playing in the yard temporarily, of course. Dinner will be, I would say, awkward, I suspect. Il y a les araignées dedans. La boue de l'ail. C'est bien parce que là on va complètement se faire
pas attaqué par des araignées. Ça va être trop bien. Ça remet de l'eau, ça, hydratation et ventre plein. Ah oui, très bien. Non, ça remet pas de l'hydratation. Ça remet pas de l'hydratation, ça c'est quoi? Four, melette, bien nourri, repas, épine, plus épine, je sais pas ce que c'est. Vraiment des dégâts de... Donc on se fait toucher. Rub time. Elle veut que tu partes. Putain, mais même taper des 58. Même taper des toiles, ça fout la merde, quoi. Je demande que ça de partir. Mais je crois que là on est un peu bloqué. Ça fait méga mal. Ça fait méga mal ces machins. Pratique l'arbalète là. Bon, par contre, c'est l'eau, ça me fait un peu peur là-bas. On va devoir partir. Je sais pas comment, mais on va devoir partir. Is surprisingly awesome. This is awesome. Okay. Okay, cool. La vache. Des œufs.
Comment je récupère ça? Nickel. Là, ça vaut le coup. Non, j'ai mon armure qui a cassé, quoi. Tu m'étonnes qu'on prend cher. J'ai vu qu'il y avait des chiffres. Là, il y a 19. L'autre, il y avait 50 et quelques. 58, je crois. On va devoir rentrer. On va devoir rentrer et revenir plus tard, je crois. Parce que j'ai peur de détruire plus de... plus de toile, quoi. Les autres, elles vont pas être contentes. Mmh. Là, ça fait un peu chier de... d'être venu ici pour pas finir, quoi. Tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. Allez, mets ça. Ah, des toiles, pas des toiles, du fil. On va économiser la torche. Si on doit passer la nuit, autant économiser la torche. Bien nourri, repas, épines. Je pourrais utiliser ça. C'est quoi ça? C'est du gravion. Ça c'est de la sève, ça c'est des morceaux de gland. Morceaux de gland, ça peut être utile. Mais c'est pas le plus compliqué à avoir, donc à la limite on s'en fout, je dirais. Ouais, pour ce moment on s'en fout. Juste une jeune araignée ici. Bon, on va pas la déranger. Oh merde. Fallait que je m'arrête là. Je crois qu'il fallait que je m'arrête là. Qu'est-ce qui se passe? C'est le robot. Ok, on est bon. Parfait. Très bien. Ah putain. Je crois. Je vais devoir les tuer. Picky.
Ouh, aïe, 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 aïe. Ok, ça c'est pour revenir au début. Alors attends, j'ai pris un des papiers, donc ça veut dire qu'on peut prendre les papiers. Parce que j'ai vu un autre papier, mais là. Le morceau de papier des chats sur lequel le chiffre est écrit. Il est écrit 58. Et on a trouvé autre chose aussi. 58 et l'autre c'est... ça. Griffonnage Y. C'était pas un chiffre? Ah, mais c'est avec... ah, oh, mais c'est un... d'accord, mais c'est pour construire des trucs là. Bon, par contre, on a plus rien. On va repartir. Je voudrais bien aller récupérer le chiffre qui reste. Où il y avait le robot. Il n'y a jamais d'eau, quoi. C'est où, ça. Fan de crever en fait. Brèche du laboratoire de la... Science, you are off the hook. Il y a un truc à gauche. À droite. C'est verrouillé. Merde! Bon, comment on sort? Alors, comment on part d'ici maintenant? I'm all geared up. Plus tard, sinon on va crever. On va crever d'eau. Si je retrouve à boire, je reviens. Mais... All right, Shadows. What you got now? Il est quelle heure? Il est 3h. On voit que dalle en bas. Que dalle. je sais pas là. Là en bas ça grouille d'araignée. Hein. Research notes on the material properties of the hedge berries as I directed? Of course. Well, no. Good. Wait. Explain. I have logged 110,437 different algorithms for organization and compiled them into an alphabetical list. That menu is being printed now and should be ready for review in approximately 12 weeks. After that is complete, I will be able to organize your research notes based on the algorithm you select.
Well, let me know when it's done then. On est bon. Ça a ouvert la porte en fait. Le stick juste au-dessus. Mais qui dort apparemment. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Ah bah quand on part comme ça... Oh tiens, il y a une pierre spéciale là. Marbre fragile. Non, mais ça, je sais toujours pas à quoi ça sert à augmenter. Toutes nos armes, ça prend pas ça quoi. Eh ben, c'était limite. Hein. Ça, c'est punaise. C'était limite. Ça, c'est une putain d'aventure. Vache. Donc, ouais, comme on avait dit, hein, deux gourdes. Quand on va loin, deux gourdes. Il faut absolument deux gourdes. On pourrait y retourner la prochaine fois et continuer notre petite enquête là. Honnêtement, c'était vraiment vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Par contre, j'ai pas trop aimé le fait que genre les araignées apparemment ont pas aimé. Ont pas vraiment aimé ce qu'on a fait. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Normalement quand il se passe ça, ça veut dire que on va se faire attaquer. Fait jour. Il fait jour, donc du coup on pourrait revenir quoi. On va dormir quand même un jour ou l'autre. Oui, faut réparer notre équipement. On a récupéré donc fondation, gravion, rampe, chemin. Faut que je regarde comment ça fonctionne. Donc, réparer ça. Mais est-ce que ça vaut le coup d'y aller avec en armure moyenne maintenant? Je suis en train de me demander. Moi. Je sais pas si ça vaut le coup. Je pense... Smart, fast, lucky, or just wear some armor. Je sais pas si on a des debuffs qu'on... Ouais, on peut être malade parce que là on a bu de la mauvaise eau. Mais est-ce qu'on peut avoir un debuff si on... Si jamais on dort pas? Ouais, d'accord. J'ai plus de place pour autre chose de coffre. Fasse des coffres. Très bien. Alors, c'est coquille et sève. Je sais que la sève, on en a.
Les coquilles, j'en sais strictement rien. Si on en a. Nickel. Parfait. Bon ben voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. On pourrait faire peut-être deux réserves de... Comment ça s'appelle ? De toile là, d'eau. Comme ça, ça nous évite. Parce que des fois, il n'y en a pas assez en fait. Et ça, c'est un peu embêtant. Donc, je dirais pas non pour une deuxième. En plus, on a plein de choses pour le faire. Du gravion à corde de soie. Ouais, on pourrait en faire un deuxième. Ouais. Faut des tiges. On en a là. 3, 4, 5. Il nous en faut 6. De la corde, des gravions. Bon, je crois que je vais mettre fin à l'épisode là. Et je vais un peu essayer de refaire mon équipement et tout ça. Et peut-être me préparer pour une attaque d'araignée. J'essaierai de le prendre en vidéo si ça arrive. Mais bon, je sais pas si vraiment ça va le faire. Ouais, mais ça sera tout. C'était une belle aventure. Je voudrais voir aussi là l'OS, je crois qu'on en a un nouveau. On a le suprême. Tout en bleu. Non, c'est pas top en fait. Je me suis habitué au Flying V là. C'est pas mal, j'avoue. Mais ouais, on a découvert pas mal de choses. On n'a pas récupéré la puce. On n'a pas récupéré la puce du coup. Mais on a le laboratoire. Donc la prochaine fois, H de la cache d'enquête. 6h30. C'est quoi ça, H de la cache d'enquête? Je sais pas ce que c'est ça. Mais ouais, on a ça, c'est cool. Donc on va pouvoir aller récupérer la super puce, je pense. Je sais pas comment ça se passe pour récupérer super puce. Peut-être un boss ou un truc comme ça. Mais ouais, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Portez-vous bien, ciao.